Piaf, de la môme à Edith, une émission réalisée par Philippe Soler. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à voyager à travers quelques grands titres d'Edith Piaf, à travers ces quelques mélodies et refrains restés à tout jamais ancrés dans notre mémoire collective. Nous sommes par une belle après-midi du mois de mai 1945. Edith Piaf et la chanteuse Marianne Michel sirotent un petit porto à la terrasse d'un café boulevard des Champs-Élysées. Marianne Michel se plaint d'être en manque de chansons nouvelles. Du coup, elle demande à Edith Piaf si elle n'a pas dans ses tiroirs un titre. Et celle-ci de lui répondre par l'affirmative. En effet, depuis quelques mois, une mélodie somme toute assez banale lui trotte dans la tête. Edith Piaf la lui fredonne et commence à griffonner sur la nappe du restaurant quelques paroles. « Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois les choses en rose. » Marianne Michel arrête aussitôt et lui dit « Ce ne serait pas mieux de dire la vie ?» plutôt que les choses en rose. Pourquoi pas, alors va pour la vie en rose. Seulement une fois la chanson terminée, Piaf va se trouver confrontée à un problème. Elle n'est pas encore affiliée à la Société des auteurs-compositeurs pour ce qui est de la partie musicale. Elle ne peut donc signer la musique de la vie en rose. Elle demande alors à Marguerite Monod d'assumer la paternité de cette mélodie, mais celle-ci refusera, prétextant que la vie en rose n'est rien d'autre qu'une niaiserie, qu'un saucisson. En fait, personne, mais vraiment personne, ne voudra de ce titre, et ce sera un certain Louis Guy qui fera le sacrifice d'apposer sa signature, et quel sacrifice ! Car la musique de La Vie en Rose rapportera des droits d'auteur faramineux à son signataire. Et ce sera Marianne Michel, chanteuse de charme quelque peu oubliée de nos jours, qui créera La Vie en Rose et l'enregistrera bien avant qu'Edith Piaf ne la mette à son répertoire. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Oui, dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. 1945, La vie en rose, chantée par sa créatrice Marianne Michel. Mais pourquoi Edith Piaf a-t-elle attendu autant de temps avant de mettre cette chanson à son répertoire ? Mystère. Mystère en tout cas, pour sa première tournée aux États-Unis en 1947, elle partira avec ce titre dans ses bagages et fera un carton avec. Dès lors, La vie en rose deviendra outre-Atlantique un immense standard et sera revisité par les plus grands jazzmen, à commencer par un certain Louis Armstrong. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. La da 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 da.
Piaf et l'amour, que dire? Que penser? Amour tumultueuse, amour passagère, Piaf abusé, Piaf jouant les Pygmalions, Piaf façonnant les hommes à son image, Piaf voué à une errance sentimentale. Elle en souffrira. Et dès lors, la bonne petite fée se transformera en un véritable démon. Vous chantez toujours l'amour, ça a beaucoup d'importance pour vous. Mais c'est pas qu'un mot pour vous, l'amour. Non, ça fait partie de la chanson. Mais de votre vie aussi. De ma vie. Il y a eu beaucoup d'amour dans votre vie. Oui, sans amour, on ne vit pas. Vous n'en regrettez aucun? Non. Même ceux qui vous ont déçu? Personne ne m'a déçu, au fond. Pourquoi? Mais parce que c'était moi qui fabriquais les personnages. Alors ils étaient tels que je voulais qu'ils soient. Et lorsque c'est fini? Eh ben, j'arrête de me faire du cinéma, on dit. Parmi ces amours, il y en a qui vous ont plus marqué que d'autres? Oui. Je peux vous demander lesquels? Et là, je ne peux pas dire de nom. Il y en a un, oui. Parce qu'il était vrai, aussi. Il était sincère. Un qui n'était pas comme les autres. Alors lui, je l'ai vraiment aimé dans le vrai sens du mot. Cet amour aura pour nom Marcel Cerdan. Il sera l'homme de sa vie. Mais ne nous méprenons pas. S'il n'avait pas été arraché à Piaf de manière aussi tragique, l'histoire se serait terminée de la même façon que les autres. Mais il est mort dans le ciel. Il est mort en plein vol. Et qui plus est, en allant la rejoindre. Alors tous les ingrédients seront là pour en faire sa plus belle histoire d'amour. Et l'œuvre de Piaf, trouvant refuge dans l'abandon, le souvenir, la désespérance, bien souvent la mort, il naîtra de cette passion la plus belle chanson d'amour qui puisse exister. De Marguerite Monod, hymne à l'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe le problème, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. L'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, Dieu réunit ceux qui se. Thank you.
Édith Piaf, l'hymne à l'amour, musique de Marguerite Monod. Marguerite Monod, l'amie fidèle, l'amie de toute une vie. Une musicienne exceptionnelle et qui va écrire pour Piaf les musiques d'une bonne trentaine de chansons, et cela à partir de 1937. 23 années de collaboration. Marguerite Monod vient du classique. Elle fera ses études au Conservatoire de Paris dans la classe d'Alfred Cortot. Elle étudierait la composition avec Nadia Boulanger, laquelle voudra la préparer au Grand Prix de Rome. En cela, elle sera soutenue par Camille Saint-Saëns et Vincent d'Indy. Et puis, après une tournée de récital en Europe, elle abandonnera Chopin, Debussy, Ravel pour se tourner vers le jazz, pour se tourner vers la chanson. Mais il lui arrivera plus d'une fois d'aller puiser son inspiration chez les compositeurs classiques. Un bout de thème, un début de phrase. J'en veux pour preuve l'hymne à l'amour, chanson qui va prendre sa source dans une mélodie de Robert Schumann. Tendez bien l'oreille. Ich möchte weinen, ist mir's doch, als gönn ich dein. Alte Wunder wieder scheinen, mit dem Mond ist glanzend rein. Und der Mond ist Sterne sand, und die Träume raus der Hain, und die Nacht in alle Schlagens, sie ist dein. Robert Schumann, Liederkreis opus 39, chanté par Dietrich Fischer-Dieskau, un lied qui aura servi de modèle à Marguerite Monod pour la composition de l'hymne à l'amour. On ne peut rendre hommage à cette merveilleuse compositrice sans évoquer la comédie musicale Irma la Douce. Succès planétaire à partir de 1956, cette comédie sera jouée entre autres en Angleterre, à Broadway, et il n'y a pas si longtemps de cela au Théâtre National de Chaillot, dans une mise en scène de Jérôme Savary. Sur un livret de Brefort, Marguerite Monod écrira une musique dans l'idée de confier le rôle-titre à Juliette Gréco. Mais c'est Colette Renard qui en héritera. Et une chanson, un petit bijou, se détachera de cette production, Avec les anges. Vous vous souvenez ? Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire, qu'à la fermer. Parce qu'au fond, les phrases, ça fait tort à l'extase. Quand je vois tes chasses, moi ça me suffit pour imaginer le paradis. Je me débine, c'est étrange. Avec les anges. Vous avez bien sûr reconnu Claude Nougaro, lequel nous chantait les premières mesures d'Avec les anges sur une musique de Marguerite Monod. Dans les années 1920, 30, 40 et jusqu'aux années 50, les auteurs, compositeurs, interprètes n'étaient pas légion. Et les chanteurs allaient chez les éditeurs consulter les publications, les petits formats, les nouveaux titres. Ils essayaient alors les chansons, accompagnées par un pianiste, et partaient ou pas avec, c'est selon. Direction les cabarets, direction les studios d'enregistrement. Une même chanson pouvait être récupérée par plusieurs interprètes. Un jour, chez l'éditeur Paul Becher, Juliette Gréco tombe sur un titre de Marguerite Monod, Les amants d'un jour. Elle flash instantanément dessus, mais l'éditeur s'empresse de l'arrêter. Stop, c'est pour Madame Piaf, chasse gardée, elle en a l'exclusivité. Il faut reconnaître que Piaf nous donnera de ses amants d'un jour une interprétation d'une dimension exceptionnelle. Elle bouleversera tout sur son passage, le populo, les esthètes, les intellectuels, elle les envoûtera tous. Piaf, ce filtre émotionnel au pouvoir surnaturel. Et puis, pour la première et unique fois de sa carrière, elle utilisera sur scène des accessoires. Un tablier noué autour de la taille, un torchon dans une main, un verre dans l'autre. Et à la fin de la chanson, au moment de l'évocation du suicide des deux amants, elle laissera échapper le verre, un verre de cristal, lequel se brisera sur scène. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver.
ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins. Remplis de soleil, on les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer. Édith Piaf, Les Amants d'un jour, Marguerite Monod, un monument de plus. En 1957, Piaf ramène d'Argentine une valse péruvienne dont elle achetait les droits. Titre de la chanson « Que nadie sepa mi sufrir », traduction que personne ne connaisse ma douleur. Elle soumet la partition à Marguerite Monod, laquelle dira, je cite, « J'aurais voulu composer une telle musique ». Mais les paroles originales de la chanson n'inspirent pas du tout Édith Piaf. Elle refuse une traduction, elle veut une véritable chanson d'auteur. Alors elle va demander à Michel Rivgauche de s'y atteler. J'avais ramené une musique d'Argentine, une valse péruvienne, et je lui fais entendre, je lui dis, écoutez, sous toute réserve, évidemment, parce que je tiens beaucoup à cette musique. Alors, il écoute la chanson, je lui dis, est-ce qu'elle vous inspire ? Te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensaré que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, alma mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, y que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, alma mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, y que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no te nombre nunca.
Michel, c'est ton papa qui est espagnol. Oui, je suis d'origine espagnole. Ah oui, je l'avais... Mais c'est drôle parce que je te donne cette chanson, je l'avais, j'avais senti et je ne savais rien. Et vous avez fait les paroles très vite, Michel Rivko. Ah, en 48 Oui, parce que j'étais... D'abord, il faut dire que c'était ma... J'ai l'impression, je me suis rendu compte que c'était une chance unique pour moi de pouvoir enfin approcher Edith Piaf. Ça, je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. C'était ça, je te comprends. Formidable, sensationnel. Non, mais je suis gêné de le dire, mais c'est la vérité, quoi. Alors, sûrement que ce que je possédais en moi, ça a été centuplé, je ne sais pas. Et alors ça, présenté par Edith Piaf, qui vous dit, écoutez, voilà, je vous confie ce disque, essayez de trouver quelque chose. Je crois que c'est sensationnel, quoi. N'importe qui essaierait de donner le maximum de ce qu'il a en lui. C'est ce que j'ai fait. Et en deux jours, évidemment, c'était pas difficile d'arriver à donner le meilleur de soi. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Terminons ce programme par l'évocation d'un immense musicien, un musicien issu du classique Norbert Glanzberg, musicien quelque peu touche-à-tout, musique de film, chanson, musique classique. Norbert Glanzberg est juif, natif d'une petite ville de Pologne. Il travaillera entre autres avec Béla Bartok et Alban Berg. En 1933, il se réfugie en France, rencontre Django Reinhardt et la chanteuse Lise Gotti et devient durant quelque temps le pianiste attitré et amant de Piaf. Durant la débâcle, il se cachera à Montredon, du côté de Marseille, chez la comtesse Pastré, côtoyant de la sorte d'autres artistes, poètes, écrivains, faisant son trou, ratissant large, pour devenir, après la guerre, un des musiciens de variété les plus recherchés. À la fin des années 1940, il travaille à une musique pour Piaf, une musique s'apparentant à une rengaine, une musique répétitive obsédante. Mais les paroles ont du mal à venir. Piaf s'impatiente, elle le tanne. Du coup, elle va se tourner vers Henri Comté pour ce qui est du texte. Elle veut un refrain bâti sur des onomatopées. Il faudra des jours, il faudra des mois
pour trouver la bonne formule, la bonne sonorité. Mais lorsque le texte sera abouti, on tiendra là un des titres de Piaf les plus claquants, les plus sonnants de son répertoire. Nous sommes le 28 janvier 1955 à l'Olympia. Je vous dis à très bientôt. D'Henri Comté et de qui déjà? Oui, de Norbert Glanzberg, madame. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix pour ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. S'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette air qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu, en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. J'en ai tout un solfège sur cette terre qui bat comme un cœur.